Au Japon, en partant du principe de participation au développement de la société à travers la technologie, l'AIHI a été fondée il y a plus d'un siècle et demi. Il s'agit de l'une des plus grandes entreprises multinationales industrielles du monde. Et grâce à ses dimensions, le groupe est leader dans de nombreux secteurs. Du secteur de l'énergie à celui de l'exploration spatiale. Des moteurs pour l'aéronaval à la construction de ponts, de structures en acier et de chantiers navals. Des engins pour le BTP et machines-outils aux semi-conducteurs et aux écrans à cristaux liquides. En Italie, Imea Group a été fondée en 1962 et s'est développée à travers la fabrication d'équipements et de machines pour le bâtiment. Bétonnières, élévateurs, scies, puis en proposant des centrales à béton, des bétonnières portées, des pompes à béton et des nacelles. La clairvoyance du management, doublée d'une solide synergie commerciale, participe au développement vigoureux de l'entreprise. Tout ceci se traduit par la création de réseaux commerciaux sur les marchés étrangers. Imea Group peut compter aujourd'hui sur un potentiel de compétitivité élevé, lui permettant de répondre à tous les besoins liés aux problèmes du bâtiment au niveau mondial. 2002, après une collaboration qui a commencé en 1989, la joint venture entre la multinationale japonaise IHI et la société italienne Imea Group a donné naissance à IHI Mer. Pouvant compter sur un groupe d'experts dans le domaine de la conception et du développement d'engins de travaux publics, IHI Mer fabrique ses produits dans ses établissements situés dans la province de Sienne en Toscane. Mini-pelles, mini-chargeurs, mini-dumpers sur chenilles, nacelles sur chenilles. En outre, IHI Mer possède l'exclusivité en ce qui concerne la distribution en Europe des engins de travaux publics IHI produits au Japon dans l'usine de Yokohama. Les mini-pelles que distribue IHI Mer se basent toutes sur la technologie IHI et couvrent la plus vaste gamme au monde dans les catégories mini, midi, déport arrière-court et déport zéro. IHI peut s'enorgueillir d'avoir été la première entreprise mondiale ayant développé en 1994 la technologie déport zéro qui a révolutionné la façon de creuser. Cette technologie qui permet la rotation du châssis arrière à l'intérieur du périmètre des chenilles assure la sécurité des manœuvres d'excavation et de chargement, même dans des espaces restreints. La puissance, les dimensions compactes et la facilité de travail assurent à ces machines une grande flexibilité. Les mini-chargeurs avec charge utile variant de 300 à 1100 kg sont disponibles en version sur roue ou sur chenille. Ils sont confortables, faciles à utiliser, fiables et ont une maintenance simplifiée. Leurs atouts, architecture mécanique robuste, hydraulique performante comme le veut la tradition de l'entreprise et ergonomie des commandes, ce qui se traduit par une grande facilité de travail et de fonctionnalité. En particulier, les mini-chargeurs CL35, CL45 sont idéaux pour travailler sur des terrains particulièrement difficiles, des déserts suffocants aux zones de montagne impraticables. Grâce aux accessoires pouvant les équiper, ils deviennent en outre sur le chantier des machines indispensables pour la manutention et les travaux en tout genre dans toutes les situations. Thank you.
Les dumpers représentent la meilleure solution pour le transport et la manutention de tout genre de matériel sur les chantiers. Ils sont partagés en deux catégories. Les mini-dumpers avec charge utile de 500 à 1000 kg qui sont disponibles avec une vaste gamme d'accessoires et qui constituent les machines idéales pour les travaux de rénovation et les travaux en pépinière. Les dumpers avec charge utile de 3000 à 10 000 kg sont en revanche utilisés sur des terrains difficiles dans les travaux publics. Puissants et fiables dans toutes les situations, extrêmement faciles à utiliser. Ils sont en outre caractérisés par un entretien simplifié. Les nacelles sur chenilles sont les machines idéales pour travailler dans des endroits peu accessibles. Elles peuvent être utilisées pour des travaux d'entretien de toiture, pour des interventions d'entretien sur des édifices publics ou privés et sont caractérisées par une hauteur de levage comprise entre 12 et 22 mètres. Grâce à leur grande maniabilité, ces machines sont en outre adaptées à l'élagage des grands arbres. Le service technique est synonyme de service, support produit et pièces détachées. Il fournit un support d'assistance après-vente et de formation technique qui se manifeste à travers une série de programmes et d'actions visant la satisfaction des clients. Service. Pour réduire les coûts et conserver le niveau de performance des machines, les produits IHIMER peuvent compter sur un service après-vente efficace, s'appuyant sur un réseau d'assistance en mesure d'assurer des interventions sur les chantiers en temps réel. Pièces détachées. Le service pièces détachées fournit les pièces de rechange adaptées à la maintenance des engins IHIMER. Pour satisfaire le client, les situations d'urgence sont traitées avec soin et rapidité et le matériel est livré directement à domicile. IHIMER, une entreprise en expansion solide et consciente de son potentiel.